Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un empâtement napolitain sur 12 heures avec pasta di riporto. La pasta di riporto, c'est quoi? C'est une pâte de report que j'ai réalisée la veille et qu'on va intégrer dans notre empâtement. Donc, je vous montre ce que c'est. Donc, on va avoir un empâtement hydraté à 65%. Donc, la pasta di riporto, c'est ça. En fait, c'est une petite pâte qui va être faite exactement avec les mêmes proportions que la pâte qu'on va faire aujourd'hui, donc y compris la levure, le sel, l'eau, etc. Et qui aura le même temps de maturation. Ne vous inquiétez pas, je vous mets toutes les proportions, toute la recette dans la description de la vidéo. Donc c'est parti pour cette recette. Alors, je vais avoir besoin de 293 g d'eau. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas mettre toute l'eau dans mon pétrin. Je vais en conserver une petite partie pour l'intégrer par la suite pendant le pétrissage. Voilà. Je vais utiliser environ 0,7 g de levure. Alors pour info, chez moi il fait environ 20 degrés, donc je fais maturer ma pâte à température ambiante, elle va maturer 12 heures à température ambiante. Je viens intégrer la totalité de ma farine, c'est-à-dire 451 grammes. Et je mettrai le sel plutôt en fin de pétrissage. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, je me mets en vitesse lente. Là, on va chercher à avoir une pâte qui commence à se former. La pasta di riporto, je viendrai l'intégrer en fin de pétrissage. Allez, là, on a la pâte qui commence à se structurer. Je vais donc baisser un peu la vitesse. Et je vais intégrer de l'eau. Ensuite, j'accélère. Voilà, une fois que l'eau est bien incorporée, je baisse ma vitesse et je viens à nouveau ajouter de l'eau. Allez, je viens maintenant incorporer mon sel. Je vais mettre ma pasta di riporto en petits morceaux pour qu'elle s'intègre bien. Et je viens finir mon pétrissage. Voilà. Là, j'ai une pâte qui est pratiquement finie de pétrir. Je vais lui donner quelques plis sur le plan de travail. On va faire ça deux ou trois fois. Donc là, on voit, elle n'est pas parfaitement structurée.
Donc, je vais la laisser reposer environ 15 minutes. Je viendrai faire une seconde série de plis. Et s'il faut, j'en ferai une troisième. Allez, on se retrouve dans 15 minutes. Les 15 minutes sont écoulées. On va effectuer notre première série de plis. Donc là, on a une pâte qui se lisse très rapidement. Voilà. La pâte se rétracte, donc je ne vais pas l'étirer plus que ça. Je vais la recouvrir. Je vais attendre encore une quinzaine de minutes et je viendrai faire une seconde série de rabats. Ok, là on a une pâte, une super pâte, et on va pouvoir la faire pousser. Donc là, elle va rester environ 5-6 heures à température ambiante, et après on viendra faire nos pâtons et on laissera encore 5-6 heures en pâton. Il faut que le tout dure environ 12 heures. Donc, bien évidemment, je ferme pour que la pâte ne sèche pas. Et on se retrouve dans environ 5-6 heures. Ça fait 6 heures que notre pâte est en train de pousser. On va maintenant procéder au boulage des pâtons. Alors, quand je dis 6 heures, je dis 6 heures depuis le moment où j'ai commencé à pétrir. Pas 6 heures après le dernier pli. Voilà. Donc là, notre pâte a commencé à gonfler. Donc on voit qu'elle a bien gonflé, elle ne s'est pas relâchée, donc c'est vraiment ce qu'on veut. Elle n'est pas trop gonflée non plus. Donc c'est vraiment le bon moment pour faire les pâtons. Alors je vais mettre un tout petit peu d'huile. On peut mettre de la farine si on veut. En ce moment, j'ai envie de mettre de l'huile. Donc, une chose que j'ai oubliée, qui est très important, c'est de huiler mes couvercles pour pouvoir détacher ma pâte plus facilement. Alors, ce qui est bien, c'est de faire un boudin plutôt long. Comme ça permet de diviser plus facilement en trois de manière plus précise. Donc on fait trois pâtons de 280 grammes. Je dirais à peu près comme d'habitude, 280. Donc là, la précision était là. Donc je boule de cette manière en rabattant ma pâte à l'intérieur. Alors je serre pas trop. Voilà. Donc là ma pâte a une belle tenue. Donc je viens ensuite la fermer. De cette façon. Et là, on voit que j'ai des super pâtons. Donc j'arrondis un peu. Je lui donne une forme ronde. Et là, je viens fermer mes boîtes. Et à partir de là, je vais à nouveau laisser pousser 6 heures à température ambiante. Donc, je vérifie au bout de 5 heures le développement de mes pâtons. Et à partir de là, je pourrai soit faire mes pizzas, soit les mettre au frigo pour une utilisation ultérieure. On se retrouve dans 6 heures.
On passe maintenant à la réalisation des pizzas. Donc là, on a un pâton qui a bien gonflé. Belle texture. Donc là, on va mettre une base fleur de lait. Je vais mettre des épinards parce que j'aime bien faire des pizzas avec des produits de saison. Donc là, c'est la saison où on trouve des épinards, alors j'en profite. Je vais mettre quelques saucisses, de la bonne saucisse du paysan que j'achète au marché. Toujours important de sélectionner des produits de qualité. On rajoute un filet d'huile d'olive. Et on va enfourner ça. Et voilà. Voilà, regardez cette magnifique pizza. Alors, juste pour le fun et pour le goût, on va se rajouter un peu de parmesan dessus. Voilà. Donc, regardez bien. Là, on a une légèreté absolue. Grâce à la pasta di riporto, à la pâte de report, on a une très belle couleur de la pizza. Normalement, on va la goûter, mais on devrait avoir un goût bien différent, un goût plus prononcé, un bel alvéolage. Allez, on va voir le résultat. Donc là, on voit déjà qu'on a un superbe alvéolage. Excellentissime. Buonissima, je dirais même. On a vraiment une très belle texture pâte. On a quelque chose de hyper souple, hyper léger. Un goût extraordinaire. Ça, c'est vraiment une recette au top, la pasta di riporto. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette recette, cette vidéo. Si c'est le cas, vous mettez un super like. Pensez bien à télécharger mon e-book Les secrets de la pizza napolitaine. Vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Partagez cette vidéo autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!